وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à l'ombre de la Kaaba, où il se reposait. Qu'est-ce qu'il venait de subir, les mouchriquins? Ils l'ont mis son dos sur des braises brûlantes, jusqu'à ce que ce soit la graisse et l'eau de son dos qui ont éteint les braises. Il avait des cratères sur le dos, l'environnement. Il est venu se plaindre au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Oh messager d'Allah, pourquoi tu n'invoques pas Allah pour nous? Pourquoi tu ne demandes pas l'aide d'Allah pour nous? Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il y avait des gens auparavant qu'on mettait dans un trou et qu'on coupait en deux, ça ne les faisait pas revenir sur leur religion. D'autres, on leur peignait le crâne avec des peignes en fer jusqu'à arracher leur chair. Ils ne délaissaient pas à cause de cela leur religion. Wallahi, Allah va accomplir cette religion jusqu'à ce que le voyageur, il va de Sana'a jusqu'à Hadramaut, il ne craint que Allah ou le loup pour son troupeau. Mais vous êtes des gens pressés. D'ailleurs, dans un hadith qui a été rendu authentique, avec toutes ses chaînes de transmission, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le hadith d'Anas ibn Malik, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir une époque pour les gens où celui qui patiente sur sa religion, c'est comme celui qui tient une braise dans sa main. Et effectivement, le croyant ne peut pas échapper aux épreuves. Mais comment il fait pour rester sur la voie? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunnah. Comme il est venu dans l'autre hadith, sahih, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Ils lui ont demandé laquelle, il a dit Al-Jama'a, le groupe. Et dans un hadith, il a expliqué qui est le groupe. Il a dit ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Et ceci est expliqué dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit celui qui fait dissension avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui ait été évidemment expliquée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous le retournerons sur ce pas, et on le brûlera en enfer, et quelle mauvaise demeure, dans le sens des versets. Ici, Allah Ta'ala ne s'est pas suffi de citer seulement le fait de faire dissension avec le prophète. Il a dit, et qui ne suit pas le chemin des croyants, qui est le chemin des sahaba, radhiyallahu anhum, et des trois premiers siècles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont mon siècle, puis celui qui le suit, puis celui qui le suit.